quatrième jour de l'existence du purgatoire, témoignage de notre raison, lesquelles de tendres liens les unissent étroitement. Preuve évidente que c'est là un sentiment imprimé dans le cœur de l'homme par le droit de Dieu, aussi le retrouve-t-on dans tous les pays et chez tous les peuples du monde. Qu'y a-t-il en effet de plus soif au cœur que cette croyance et ce culte pieux qui nous rattache à la mémoire et aux souffrances des morts? Oui, nous avons besoin de croire qu'il existe, au-delà des rives du temps, un lieu d'expiation qui n'est pas l'enfer, mais la voie du ciel. Nous avons besoin de croire, et nous devons croire, que nos parents et amis qui sont emprisonnés sont soulagés par nos prières et nos bonnes œuvres, et qui nous voient et nous entendent. Nous avons besoin de croire que nous-mêmes un jour nous serons soulagés à notre tour. Cette pensée est douce et consolante. Exemple, un jeune Écossais luthérien avait un frère unique qu'il aimait tendrement. Une apoplexie foudroyante le lui enleva subitement au milieu d'une fête mondaine où l'on ne s'attendait guère à une aussi lugubre catastrophe. À partir de ce moment, il fut en proie à une angoisse profonde et incessante. Il pensait constamment à ce passage si brusque d'un festin au redoutable jugement de Dieu. Il craignait que son frère ne fût pas trouvé assez pur pour entrer immédiatement au ciel. Sa religion protestante ne lui enseignait pas de lieu purificateur entre les parvis célestes et les profondeurs de l'abîme. Pour se distraire, on lui ordonna de voyager et il vint en France. Il rencontrera un prêtre, il lui fit part de son chagrin. « Mon ami, lui dit l'homme de Dieu, il est nécessaire pour tout homme d'expier ses péchés, même dans l'au-delà. » Notre foi catholique nous dit encore qu'il y a entre le ciel et l'enfer un lieu intermédiaire, où les âmes achèvent de se purifier et où nous pouvons les secourir par nos prières. Il accepta l'enseignement de l'Église catholique qui lui demandait de prier pour son frère, afin qu'il entre dans le bonheur éternel, tant il est vrai que la croyance au purgatoire est un besoin du cœur humain. Prions. Mon Dieu, que mes prières, mes sacrifices, mes souffrances servent à toucher votre bonté et à hâter l'instant de la délivrance des âmes de nos chers défunts. Soyez bénis, ô mon Jésus, pour vos consolations. Appelez nos frères dans ce séjour éternel, qu'ils reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles vous avez daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leurs aspirations brûlantes à vous voir. Ayez pitié de leurs larmes de repentir. Et par la vertu de votre passion, remettez-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que votre sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de vous dans l'éternel bonheur. Amen. Voici 5 prières à dire tous les jours et à compléter par une dizaine de chapelets. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes,
priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saints et saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leur propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre passion et votre croix, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit Consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tous pécheurs que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions. Vous qui sauvez par votre grâce, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. De profondis. Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur. Écoutez ma prière. Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister devant vous? Mais vous êtes plein de miséricorde, et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme s'est appuyée sur votre parole. Mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu'au soir, Israël espère dans le Seigneur, car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire. Salve Regina. Salut, ô Reine, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut. Enfants d'Ève, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants. Et après l'exil de cette terre, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, co-rédemptrice du monde, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.